Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog Lisbonne. Donc je vais à Lisbonne à l'occasion de l'anniversaire de ma grande sœur Ruth. Il y aura également ma grande sœur Deborah qui viendra avec nous, mais également les amis de ma grande sœur Ruth. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous amener avec nous, vlogger notre séjour. Donc aujourd'hui nous sommes les samedi 1er avril. Il est plus ou moins 9h et là je sors de la douche. Je me suis vite fait apprêter, comme vous pouvez le voir. J'ai mis mon bandana parce que j'avais la flemme de me coiffer. Et je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis grave cernée en fait. Quand je vais sortir, je porterai des lunettes parce que ça ne va pas. J'ai passé une nuit affreuse, j'ai pu dormir que pendant 2 heures. En gros, je suis crevée, mais bon, soit. Donc là, je suis debout parce que j'ai rendez-vous à 10h pour aller faire mes ongles. Et ensuite, un peu plus tard, vers 13h pour faire mes extensions de cils. Je vais faire mes ongles chez la même personne comme d'habitude. Mais par contre, pour mes cils, cette fois-ci, je vais tester une nouvelle personne. Parce que la personne qui me fait mes cils habituellement est en pause. Donc je suis un peu stressée, mais vas-y, ça va le faire. Donc comme je vous ai dit, il est déjà 9h, donc là je dois prendre la route parce que mes deux rendez-vous sont sur Bruxelles et j'habite en Flandre. Donc afin d'éviter les embouteillages, avoir une place de parking, tout ça, je dois quitter maintenant. Sinon je serai jamais à l'heure pour mes rendez-vous. Donc aujourd'hui on vlogue uniquement les ongles ainsi que les cils. Demain je vais vlogger ma valise, ma préparation. Et ensuite le vlog Lisbonne va commencer. Donc c'est parti. Bon les gars, après avoir roulé pendant 40 minutes, je suis enfin arrivée. Et je commence réellement à sentir la fatigue. Comme je vous ai dit, j'ai pas passé une très bonne nuit. J'ai que dormi des heures. 2 heures. Donc il est 9h40, 41. Mon rendez-vous est à 10h15. À 9h50, je veux dire que je suis déjà là. Comme ça, elle est dispo, elle peut déjà me prendre. Et voilà quoi. Je suis crevée, les gars. Je sais même pas pourquoi je vlog. Juste envie de dormir là. Fermer les yeux, honnêtement. Mais non, je rigole. J'ai vraiment envie de vlogger, juste que je suis pas en forme. Bon les gars, la chute de la voiture, j'ai fini mes ongles, il est midi 20, j'ai 25 minutes de route à faire. Regardez mes ongles, c'est trop beau, il y a trop de lumière, on voit pas très bien, mais je vais mettre des images. J'ai vite été au snack parce que j'ai rien à manger, j'ai trop faim. J'ai pris un durum et de chicken fingers, donc là je prends la route, c'est parti. Et on se dit à tantôt quand j'arrive là-bas parce que j'ai envie d'arriver à l'heure en fait et de trouver une place. Donc là, j'ai lâché mes cheveux parce que c'est une personne que je connais pas, il faut quand même être présentable. La fille chez qui je fais mes ongles, elle me connaît, elle me voit tout le temps en mode pagaille. Mais donc j'ai juste lâché mes cheveux. J'ai remis un peu de beurre, baume à lèvres, pardon, baume à lèvres. Je vais descendre, je vais y aller. Je ne sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur vu que voilà, je la connais pas en fait. Je vais quand même poser la question et puis je vous montre l'after quand je serai toute belle avec mes cils faites. Donc voilà quoi. Bon les gars, je ne sais pas si on va très bien puisque voilà, mais j'ai fini mes extensions de cils. Ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, je veux enfin
enfin rentrer à la maison parce que je suis crevée. Bon les gars, nous sommes le mardi 4 avril et demain on va aller en France pour prendre le vol ensemble avec mes soeurs et tout. Donc là je vais faire mes valises. Donc moi je suis vraiment le genre de personne, déjà je suis vraiment désolée, j'ai mon bouton de fièvre qui est dégueulasse, donc je suis sûre que ça se voit à la caméra. Mais j'allais dire quoi? Ah oui, je vais faire ma valise. Et moi je suis vraiment le genre de personne qui aime être sûre quand elle voyage. C'est-à-dire je préfère vraiment avoir plus de kilos que j'arrive là-bas, j'ai pas assez de kilos. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va aller pour 4 jours. Donc j'ai une valise de 23 kg. Une autre de 10 kg. Et ensuite mon accessoire qui sera mon petit sac Kaba de chez Lacoste. Donc je vais faire mes valises avec vous. En fait je vais mettre en accéléré, mais je voulais trop vous montrer un truc que j'avais commandé sur Amazon qui allait justement m'aider à mieux ranger ma valise. En fait j'ai acheté ça les gars, c'est des petits rangements comme ça. Je mettrai à l'écran l'image à quoi c'est censé ressembler parce que là vous voyez pas du tout ce que c'est. Mais c'est des petits rangements comme ça qui va te permettre de mieux ranger ta valise. Il y a beaucoup de créateurs de contenu aux États-Unis qui l'utilisent. J'ai vu ça chez Alia Face. Je me suis dit non, leur valise quand elle voyage, quand elle bouge, c'est toujours bien rangé. Et je me devais d'acheter ça. Après, je vais pas vous mentir, moi j'ai commandé sur Amazon à 30€. Après, vous pouvez en trouver chez Primark, Action, je sais pas, vous pouvez même trouver moins cher sur Amazon. Mais je trouve, plus tu mets de l'argent dans quelque chose, plus la chose est de bonne qualité. Après, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, j'espère que ça là, que j'ai pas payé 30€ pour rien. J'ai 9 pièces, donc c'est trop bien. Donc je vous donne un exemple. Vous voyez, moi j'ai pris en noir, après il y a différentes couleurs. Est-ce qu'on va voir? Je pense pas. Tu l'ouvres, voilà, ici on voit mieux. Tu mets tes vêtements dedans, tu fermes et ça fait en sorte que tes vêtements, tes articles restent bien compressés. Et il y a aussi des petites trousses qui sont venues avec. Donc ça par exemple, vous voyez, pour mettre tout ce qui est trucs des salles de bain. Après cela, je sais pas si je vais les utiliser parce que j'ai déjà mes trousses pour ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a beaucoup de choses que j'ai trop appréciées. Attendez, je vous montre. Genre, tu vois, des petites pochettes comme ça là, qui vont juste te permettre de mettre beaucoup de choses. Regardez, genre, t'as vraiment beaucoup de choix. Et moi, j'aime trop. Tu vois, encore une petite trousse. Donc c'est un peu ça. Là je vais commencer par faire ma valise. Je commence d'abord par ma petite valise de 10 kg. Parce qu'en fait là dedans je mets juste tout ce qui est chaussures et sacs à main. D'accord, vous allez voir, j'ai pas pris beaucoup de paires de baskets. Encore moins de paires de sacs à main en fait tout court. Et dans l'autre valise je mettrai mes vêtements dans les petits rangements que je vous ai montrés. Donc là maintenant je vais mettre en accéléré et je vais faire ma valise à mon aise. Et ensuite à la fin je vous montre à quoi ma valise ressemble. La chose de la salle de bain, comme vous pouvez le voir, parce que je vais récupérer tous mes produits beauté, coiffure que j'ai besoin. D'accord. Alors je vais commencer par tout ce qui est produits beauté. Allez, par là je veux dire ma crème pour le corps, mon démaquillant, etc. Je vais tout mettre dans ces sacs, ensuite on retourne dans le dressing et je vais vous montrer comment est-ce que je le range. Thank you.
Concernant le maquillage, je vais tout mettre là-dedans. Je vous ai déjà présenté cette trousse à maquillage plusieurs fois. Je l'ai achetée sur Amazon il y a 2 ans. Ça se présente comme ceci. On a des petites choses comme ça qui va vous permettre de créer différentes sections. Et ici, on a la partie pour mettre les pinceaux. Et ce que j'aime bien, c'est que ça se nettoie assez facilement. Alors, je mets tout ce que j'ai besoin au niveau make-up là-dedans. Je commence toujours par mes pinceaux. Bon les gars, j'ai fini de ranger ma valise, voilà à quoi est-ce que ça ressemble. Ça c'est les vêtements que je porterai le jour de l'aéroport, donc c'est pour ça que j'ai laissé ça ici. Mais voilà, tout est bien rangé, tout est bien propre. Et franchement les rangements Amazon sont trop pratiques. Et d'ailleurs regardez, j'ai pas tout utilisé, il en reste encore quelques-uns. Donc ça c'est pour la valise de 23 kg. Ensuite ici j'ai la petite valise. Donc comme expliqué, j'ai vraiment mis tout ce qui est chaussures et accessoires. Donc là, j'ai mon sac Jacquemus, mon sac Coach et un petit sac soirée de chez Shein. Mes babouches de spa. J'ai pris mes babouches Yeezy et 3 ou 2 paires de baskets, je ne me rappelle plus trop. Et ensuite, dans ces sacs... que je prendrai avec également, c'est un sac de chez Lacoste. J'ai prévu de mettre tout ce qui est électronique, c'est-à-dire mon PC, chargeur, etc. Mais je ne sais pas si au final je vais prendre mon PC ou pas. Je mets également mes bijoux, ainsi que ma montre, tout ce qui est des valeurs en fait, je garde là-dedans, ma carte d'identité et tout. Mais en gros, j'ai terminé, je suis trop contente les gars, franchement. Ah, là je peux enfin me reposer. Et on se dit à demain. On est arrivé à l'aéroport, on va prendre de quoi manger. Je suis avec mes soeurs et ses amis. Coucou! Hi! Donc là, on attend, on fait la file pour le petit déj. Et ensuite, on va prendre. On arrive un peu trop tôt, on est arrivé 1 heure en avance, donc tant mieux. Ensuite, on va prendre le vol pour arriver à Portugal. Bon les gars, donc là on est dans l'avion, on est embarqué. Il y avait un petit problème au niveau de l'embarquement, il y avait un petit retard. Mais c'est parce qu'en fait il y a la grève en France. Mais là on a bien embarqué, on va bientôt décoller pour le Portugal. J'ai trop hâte de retrouver le soleil. Parce que là il fait tellement froid, il fait tellement gris ici là. Mais dès qu'on sera en Portugal, je sais que je vais mieux me sentir grâce au soleil. Bon les gars, on vient d'arriver à l'hôtel, on a déjà nos chambres, on a pris des chambres de 3 personnes
Je vais vous faire un petit room tour et franchement les chambres sont quand même hyper spacieuses pour une chambre de 3 personnes. Et franchement c'est magnifique, moi j'aime bien. J'avais déjà été une fois à 3 à Madrid avec les filles Elisabeth et Mariella. Mais les chambres elles étaient tellement petites. Mais là les chambres elles sont vraiment hyper méga grandes, spacieuses de ouf. Donc je vais vite vous montrer la chambre et après on va s'apprêter pour l'activité du jour. Ici à ma gauche nous avons un miroir. Ensuite, à la droite, nous avons la salle de bain qui est juste incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce grand miroir. Il est vraiment hyper grand. Il y a encore un miroir ici. On est vraiment servi. Ensuite, on a le lit double. Non, c'est deux lits simples et un lit canapé. On a dû prendre des chambres de 3 par personne parce qu'on est très nombreux. Et la chambre est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. J'aime trop. On a même un petit... comment on appelle ça? Un petit balcon. On a même un petit balcon. Attendez, on voit pas très bien parce qu'il y a full de lumière. Voilà. Bon les gars, j'ai terminé de m'apprêter. Je vous montre vite fait ma tenue. Très simple, j'ai mis un pull oversize brun comme ça. Mon sac Jacquemus, un short en jeans et des baskets. Là on va y aller au rooftop, manger, grignoter. Et après on va aller prendre, aller suivre un cours de Kizomba privé. Donc j'ai trop hâte, c'est parti. Bon les gars, say hi. Hi guys. Hi. Hi. Hi guys. Donc là on vient de manger au rooftop et on se dirige vers le cours de Kizomba. Et franchement le burger était incroyable. Et franchement je suis trop contente parce que j'ai pu bien manger. Donc là on est en train de se balader vers l'arrêt de bus pour prendre le bus pour aller au cours de Kizomba comme je l'ai expliqué. Et j'espère que c'est un cours privé parce que moi je suis trop gênée de danser avec, avec des personnes que je ne connais pas. La lumière est un peu bad, mais voilà quoi. Entre-temps, on est rentré pendant un très long moment. Franchement, je me sens tellement pas bien. C'est pour ça que j'ai pas vlogué le reste de la soirée. Mais en fait, on a été au cours de Kizomba, comme vous avez pu le voir. Franchement, c'était hyper bien. Et par la suite, on a été se balader au centre commercial. Et en fait, si vous voulez, à midi, allez, à midi, vers 15-16h, on avait été au rooftop. Vous prenez un petit lunch et comme vous pouvez voir j'avais pris un burger mais en fait depuis ce matin j'avais déjà mal au ventre donc je sais pas qu'est-ce que j'ai mal digéré mais tout ce que je mange se termine dans la toilette en fait donc j'avais hyper mal au ventre. J'ai pas pu participer du début jusqu'à la fin au cours de Kizomba parce que j'avais trop mal au ventre et donc ma journée elle est un peu gâchée à cause du mal au ventre que j'avais. Donc on a été se balader au centre commercial et on a été manger. J'ai mangé un restaurant italien, les autres ont été manger un restaurant, pas portugais, mais un restaurant qui est spécialisé dans tout ce qui est poisson, fruits de mer et tout. Et moi j'étais à un restaurant italien parce que je voulais juste quelque chose de léger, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite je suis rentrée avant les autres parce que comme je vous ai dit je suis vraiment fatiguée, je me sens pas bien, mon ventre me tue, clairement mon ventre me tue. Ça m'est jamais arrivé d'avoir mal au ventre étant en vacances en fait et là franchement je suis deg. Là j'ai mis mon pyjama
Et j'ai mis un t-shirt en dessous parce que j'ai trop froid. Et j'ai peur de tomber malade en fait. Parce que dans les chambres, il y a l'airco, vous voyez. Et quand on est à l'airco, il fait juste trop chaud. C'est pas trop le but non plus. Donc j'ai gardé un t-shirt en dessous. Et je vais maintenant me démaquiller et m'apprêter pour dormir. Donc voilà. Bon les gars, je vais me démaquiller. Franchement, ça et ça mélangé, c'est les meilleures choses. Donc, je prends ma lingette démaquillante. J'applique du démaquillant. Et regardez juste comment ça va retirer le maquillage en deux. Est-ce que vous voyez ça, genre? Ça part en deux. J'aime trop cette technique. Bon les gars, la journée d'aujourd'hui est terminée. Là, on va aller dormir. Et on se voit demain. Johnny wanna pop pills all night. Look, don't be fucking with my tape deck. You gon' listen to this Marvin. You gon' listen to this Bloodstone. Oh, y'all niggas want that Barry White. Well, I don't really fuck with that right there. I can make a nigga act up right there. But gon' get your rocks off, boo. No, I don't really do all that, but it's more for you. I'm far from a pimp, but I'm close to you. You fucking with a whole soul. Bon les gars, on s'est apprêté pour aller descendre au petit déj. J'ai juste remis un pull et un short cycliste et des babouches easy. J'ai mis mes lunettes parce que je suis grave cernée, j'ai pas très bien dormi. Comme vous avez expliqué hier soir, j'ai vraiment mal au ventre. J'ai mis un bandana parce que ma perruque, voilà, j'ai pas la force de la ranger là tout de suite. Je vais vous montrer ma tenue là. Donc voici ma tenue pour le petit déj. Très simple, tout en noir avec mes Yeezy. Et j'ai trop la dalle et j'ai trop faim. Donc c'est parti. My mama said don't trust these hoes, boy, be about your loot. True story. Now my mama told me that, why the fuck would I listen to you? Yes, Lord. You never go bro chasing riches, but you might go bro chasing every little stank asshole with a tongue piercing now. If I call you a bitch. Bon les gars, là on s'est changé, on va aller au spa, je suis avec ma soeur. On va rejoindre les autres en bas et profiter de cette journée bien tranquille. Don't call at the six, then there won't be no problems. Walk with me now. She with it, she keep it 300, I ain't even got a hit in it. She with it. All she wanna do is watch a real nigga winning it. She with it. Look me in my eye, there'll be no sin. She with it. Got a whole lot of women, all of them with it. Yes, Lord! Bon les gars, on a pu bien se relaxer au spa et tout. On a profité du beau temps, du soleil, on est monté au rooftop et tout et tout. Donc là, on s'apprête petit à petit pour aller manger au restaurant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le jour J. C'est l'anniversaire de ma soeur. Et donc là, je vais crimper mes cheveux. Je les avais lissés avant de venir parce que j'avais lavé ma perruque. Mais là, je ressens le besoin de les boucler parce que, en fait, les cheveux lisses, j'aime vraiment plus. Donc, je vais les crimper, me maquiller, m'apprêter petit à petit. Et ensuite, à la fin, je vous montrerai le look final. Bon, les gars, j'ai terminé mes cheveux. Regardez, c'est trop joli. Je les ai crimpés. Donc là, maintenant, on va commencer à se maquiller. Comme d'habitude, je ne vais pas rentrer en détail parce que mon maquillage, voilà, j'ai une retenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont intéressés, en fait, j'aime pas parce que la lumière, elle est hyper mauvaise. Et du coup, j'ai l'impression que mes cernes, ils sortent hyper mal à la caméra. Mais soit, franchement, crimper les cheveux, c'est la meilleure chose à faire quand tu sais pas trop quoi faire. Et quand t'as pas envie de porter une perruque bouclée, body wave, tout ce que tu veux. Donc là, on va se maquiller. Donc, c'est parti. You love me if I was down and out, but you still
enough for me, girl. It's easy to love me now. But you love me if I was down and out. But you still have enough for me. Bon les gars, voici le résultat final de maquillage. J'aime trop, franchement. J'aime trop, c'est trop canon. Donc là, on va s'habiller. Le thème de ce soir, je ne l'ai pas dit, mais c'est all white. Donc, on sera toutes habillées dans une tenue blanche. Donc, je vous montre ma tenue dans quelques secondes. Bon, les gars, voici ma tenue. J'ai mis un ensemble comme ça, blazer, pantalon, tailleur et les blazers blancs avec la petite ceinture de chez Naked. Voilà. Je vais prendre ce sac. Je vais prendre ce petit sac avec moi, c'est un sac de chez Shein. Et j'ai mis des talons dorés pour aller avec. Je ne vous ai même pas montré la birthday girl. On va pas dire l'âge, ça ne regarde pas. Non. Oh là là. Bon les gars, on est arrivé au lieu du restaurant. On va manger ici. Je vais vous montrer le nom parce que je ne parle pas portugais, donc je risque de mal prononcer. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vous embrasse. Des bisous, des bisous. Des bisous.
juste un message, pré-message à vous dire. Vous avez encore 7 ans pour coloniser pour un Hermès British. On sera plus amis. Mais 40 ans. On sera plus amis. Vous m'avez dit que vous m'avez dit Hermès. Je ne serai pas là. Merci beaucoup. Bon les gars, oh, je suis fatiguée. Déborah et moi, on est rentrés. Les autres sont partis en after. Et on va se reposer parce que c'est pas trop notre délire. Franchement, le restaurant était juste incroyable. La nourriture a été hyper bonne. Qualité, rapport prix, ça va. Franchement, c'était hyper méga bon. Donc là, je vais juste me démaquiller, me mettre à l'aise et m'apprêter pour dormir en fait parce que demain, c'est la plus longue de journée. Et on va beaucoup marcher, beaucoup faire de trucs touristiques à pied. Et donc, ça nécessite beaucoup de sommeil, beaucoup de repos en fait. Donc nous, on a juste décidé de se reposer. Comme ça, demain, on est en forme. Donc, voilà les gars, on se dit à demain. Bon les gars, nous sommes le lendemain. On est déjà toutes belles, toutes prêtes, toutes fraîches. Donc on a déjà été manger ce matin au petit déj. Donc là on s'apprête parce qu'on va faire, c'est vraiment une journée touristique. Donc on va un peu visiter la ville, tout ce qui est touristique, leurs trucs de la ville en fait. Et on va tout faire à pied. Je sais pas encore si je prends ma caméra avec moi ou pas. Peut-être que je filmerai seulement avec mon iPhone, mais je ne sais pas du tout encore. Donc voici mon maquillage, ma coiffure. Je vais vous montrer ma tenue du jour. Ma tenue du jour, j'ai mis un ensemble comme ça, de chez Bershka, avec une chemise oversize de chez Pretty Little Thing. J'ai mis des chaussettes blanches et des New Balance. Et je vais prendre mon sac Jacquemus avec moi. Mais la caméra, je ne sais pas si je la prends encore ou pas. Je ne sais pas si vous voyez l'arrière, mais c'est genre dos nu. C'est vraiment trop beau. Donc voilà, donc là j'attends que les autres terminent de s'apprêter. Et ensuite, on prend la route. Bon les gars, on est arrivé, je sais pas si vous m'attendez bien et tout, mais je suis à contre-jour, donc vous allez sûrement pas me voir. On a envie de monter là au-dessus. Sauf qu'actuellement ils sont en maintenance, donc ils font une petite pause. On va monter un peu plus tard. Mais la vue est incroyable, la vue est vraiment trop belle. Je vais vous la montrer dans quelques instants. Magnifique. Donc là on a fini au-dessus, comme j'avais expliqué, on a été voir le monument et franchement c'était incroyable, c'était trop joli. Il y a un peu de bruit parce que mes soeurs elles parlent tout entre elles et la vue est incroyable. Franchement j'ai tout filmé avec mon GSM, j'ai essayé de filmer avec la caméra mais je ne sais pas si j'ai réellement de belles images. Donc je vais vous mettre tout ce que je peux filmer avec le téléphone. Donc là on va aller en ville parce qu'on a envie de faire le tram jaune là, qui est très connu ici à Lisbonne. On nous dit de prendre soit le bus, soit le bateau. Donc on est encore en train de voir ce qu'on va faire. Et normalement après le tram, on ira manger dans le centre, soit dans une petite terrasse, soit un restaurant, ça on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, franchement, je trouve trop le Portugal. Bon les gars, là on a pris le bateau pour aller d'un A au point B et franchement c'est trop cool de se dire qu'on a la possibilité en fait de se balader, allez, de se déplacer en bateau, genre à la place de prendre le bus, le tram, le métro, la voiture, tu peux prendre un bateau pour aller du point A au point B, genre c'est trop bien, trop bien. Donc là on va aller, je vous ai dit, prendre le tram jaune là, je vous dis à chaque fois le nom. On va tellement pas leur passer, tellement il fait beau, tellement on s'amuse bien et tout.
Mais là, je commence à avoir faim. Enfin, je commence vraiment à avoir faim. Mais je pense qu'arriver là-bas, on va d'office trouver quelque chose pour manger avant de continuer nos activités, parce qu'on a encore deux choses qu'on aimerait faire avant de réellement aller manger à un restaurant. Donc voilà, c'est un peu ça. Bon les gars, là, on se balade. On a pris le bateau comme je vous ai expliqué. On est tout proche du centre. On a été acheter des pastels aux poissons. Je vous mettrai quelques images ici là. Elles étaient tellement bonnes. Donc là on est en route. On cherche toujours notre chemin pour le tram jaune là. Donc j'espère qu'on va bientôt y arriver. Bon les gars, un petit changement de programme, donc au final on va plus aller prendre le tram parce qu'en fait premièrement il était hyper rempli et on était vraiment fatigué de monter tout en haut. Donc en fait pour faire court, le terminus était hyper loin, mais c'était vraiment de rue qui montait et il fallait beaucoup monter à pied et nous franchement on était fatigué de monter cette rue là, surtout qu'on est réveillé depuis hyper longtemps. Donc on s'est dit c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Si je bouge beaucoup, c'est parce que je cherche la lumière, voilà. Donc on s'est dit c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On va juste aller manger, profiter de la soirée, visiter d'autres endroits et relax en fait. Parce que le tram, il était bien joli et tout, mais il est rempli. Mission impossible, faire attention aux pickpockets et monter tout en haut là, j'ai trop mal aux pieds, je peux pas. Donc en gros c'est ça, on va plus le faire malheureusement. Ça sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Les gars, je sais pas si vous m'entendez, mais voilà comment c'est magnifique l'Arc de Triomphe à Lisbonne. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais c'est magnifique. C'est trop beau, c'est vraiment trop joli. La place est trop belle. Bon les gars, on s'est posé quelque part, je sais pas si vous m'entendez, mais on va aller manger à une petite terrasse. Le nom c'est c'est juste là. On te voit et Lydia. Oui on te voit, en plus tu regardes. En plus je te regarde. On te voit, t'es juste là. Donc là on va manger, on va commander. On avait du mal à choisir quel restaurant, mais au final on s'est tous mis d'accord qu'on allait manger ici. Et j'espère vraiment que c'est hyper bon parce que j'ai trop la dalle. Trop la dalle. J'ai envie d'un bon riz et d'un bon poisson. Voyons voir si c'est réellement bon. Bon les gars, on a pris, moi j'ai pris une paella, ici on a pris des paellas, les autres n'ont pas encore reçu leur plat, mais ça a l'air hyper méga bon. Ça va, c'est bon, bon appétit. Rien. Bon les gars, c'est le dernier jour aujourd'hui, donc on a déjà été manger petit-déj, on s'est habillé, j'ai mis une robe t-shirt. On va faire une petite balade avant d'aller à l'aéroport. Voici ce que j'ai mis, une robe t-shirt, casquette blanche New York et des New Balance et des chaussettes hautes. Voilà, voilà. Là on va faire vite parce que l'heure avance et on doit partir. Je sais pas si je vais vlogger aujourd'hui, si je vlog, je ferai avec mon téléphone. Si pas, vous allez voir que je serai déjà en Belgique. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on a fait le check-out à l'hôtel. Par la suite, on a été se poser dans une petite terrasse, histoire de manger quelque chose avant d'aller à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, on a fait le check-in et comme vous pouvez le constater, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu les gars. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas d'aimer, commenter, partager, de vous abonner. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Thank you.